Et salut à tous, c'est Dofa, donc on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la team. Donc ça fait très longtemps qu'on m'envoie de nombreuses demandes pour continuer la team. Et c'est chose faite, je reviens en force. Donc comme vous pouvez voir, mes 4 personnages sur les hurledents, donc c'est vraiment la classe absolue. J'adore ces hurledents, je pense que je vais les garder tout le temps que je peux. Un nouveau, donc enfin c'est pas mon personnage, hein, c'est un abonné tout simplement qui possède une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, le lien dans la description. Et on va voir à peu près les personnages, où c'est qu'ils en sont. Déjà, comme vous pouvez voir, on n'est que 4 pour le moment. L'Enutroph n'est pas encore présent dans la team. Parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour le moment. Alors pour ce qui est des persos, pour le moment, le Yop est à 48%. Donc il commence à up un petit peu progressivement. Donc bientôt le niveau 200, j'espère l'atteindre avant la fin de l'année. Ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, ça peut être envisageable. Ensuite, pour ce qui est, donc là on est sur le panda, donc le panda qui est niveau 187, il a dû prendre un ou deux niveaux depuis la dernière fois, je sais plus trop, parce que j'ai pas vraiment joué, je viens juste de reprendre et je commence à XP là. Donc pareil, hein, full chance avec un petit pare-chaud sagesse, ça fait plaisir. Ensuite, on est sur, je vais y arriver s'il veut bien s'ouvrir, la connexion qui fait des siennes, le panda qui est up 188 hier, je crois que c'était lui. Donc qui est pareil, donc avec le même stuff que la dernière fois, donc avec de la force et de la sagesse. Ah, il est pas parchoté sagesse, donc ça c'est à faire, je vais le noter et je vais le faire. Parce que bon, c'est quand même super important de parchoter la sagesse sur une team. Ensuite, pour ce qui est de l'Enyripsa, donc l'Enyripsa, comme vous pouvez voir, il est en 10-5, bon. Enfin, il est en 10-5, il est en 10-6 avec les DD, hein, là, il n'y a pas de souci. Avec 776 d'intelligence, donc c'est vraiment super cool. Et il vient de up 189 à l'instant. Là, il y a un combat, si je me trompe pas. Je viens tout juste de up. Et c'est cool. Là, il va bientôt être 190. Normalement, à la fin de la semaine, il up 190. S'il n'y a pas trop de soucis. Et donc là, comme vous pouvez voir, les personnages, on se retrouve avec 189, 199, 187, 188. Bon, et Golden Vapor niveau 199. Donc ça va être vraiment sympa quand ils seront tous au moins 190. Donc on va se retrouver, donc je vais faire une petite coupure, on va se retrouver dans les petits combats, peut-être avec Golden. Je vais lui demander. Alors, je vais faire une petite coupure, on se retrouve tout de suite. Héros, donc on a trouvé un bon combat, donc on va le lancer tout de suite. Alors là on prend, comme vous pouvez voir, 2,6 millions de base, avec éventuellement un petit challenge si possible. Donc on va voir, normalement on perd pas, c'est franchement les combats assez faciles. De toute façon on peut rush, hein, on va même pas mourir. Voilà, l'Enyripsa qui pourra se ramener. Et on va croiser les doigts pour avoir un bon challenge. Et voilà, donc on a un bon challenge en plus qui donne 55%. Donc on va lui dire de faire le challenge si possible. Parce que là, franchement, c'est pas compliqué. Alors, comme vous pouvez voir, les personnages. Ah ouais, d'accord. Ouh, il fait des gros dégâts là. Vraiment sympa les Pandawa PVM, ça donne vraiment envie. Alors, l'Enyripsa qui est là, donc on va booster un petit peu tout le monde et on va foncer là pour commencer à aligner 2-3 petits dommages. L'Enyripsa qui fait quand même mal, c'est vraiment super sympa. Alors là, c'est le Yop, hein, le Yop, bon, bah, le Yop il déchire tout le monde, hein, on va pas se mentir. Voilà, hop, le challenge est réussi. Donc là, je pense qu'on peut taper sur du 3 à 4 millions d'XP en un seul combat. Les combats durent de 2 à 3 minutes. Là, on est en train. On a fait quelques combats avec Golden et franchement ça joue assez vite. Le Zobal, il peut boubou, hein. Ça évite de prendre des dommages inutiles. Comme vous pouvez voir, je joue en créa, donc bon, c'est pas vraiment super agréable dans les vidéos, mais je sais, mais ça permet de réduire le temps quasiment x2. Donc les combats, moi, plus ça va vite. Donc je réfléchis pas dans les combats, c'est vraiment du no-brain, hein. Plus ça va vite, mieux c'est. Ouais, qui fait sa petite pub, mais je mettrai son lien dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Folie, donc après ça sera à l'Enyripsa. Donc là le combat, je pense qu'on va taper sur les 2 minutes à peu près. Alors, on est à combien? On est à 2 minutes, ouais, quasiment 2 minutes. Donc ça va peut-être durer un peu plus longtemps cette fois-ci. Donc l'Enyripsa, il peut pas finir, hein. C'est le Yop qui va faire très mal. Ouais, il fait de la pub au calme, comme il dit, pause. Il n'y a pas de souci. Alors. Voilà, comme vous pouvez voir avec les petits raccourcis, il est pausé. Alors, le panda, il va se debuff, histoire de pouvoir faire quelque chose.
Voilà, il peut tuer, c'est bien. Voilà. Après le Zobal. Ouais, je suis content, j'ai repris il y a une demi-semaine et je commence à jouer assez vite là, j'ai repris les petites habitudes. Ça fait plaisir. Le deuxième combat, je sais pas si je vais le filmer, on va voir. Alors. Là donc c'est au tour de Golden. Vous pouvez voir là les petites vagues à lames qui font plaisir. Hop, moins 1000. C'était quoi? C'était à la rapière? Ah non, il est à la hache-rod. Original. Donc là, ça va être à Lenny Ripsa, qui est ici. Voilà, j'essayais de chercher où il était. Ouais, joli misclic. Ça fait plaisir. Le Yop qui arrive, qui déchire. Voilà. Comme on les aime. Le Panda qui arrive, qui fait ses petits dégâts. Le Zobal. Hop. Ensuite, ça va être à Lenny Ripsa, et puis après, ça va être terminé, je pense. Limite, il peut terminer. Ça m'étonnerait pas qu'il termine. Comme vous pouvez voir, on prend assez cher sur les PV, mais vu l'XP qu'on prend, ça fait plaisir. Hier, je suis allé à Srambad, j'ai pris à peu près du 10 à 13 millions par match, mais il n'y en avait pas des masses. Donc j'ai fait ça, j'ai pris à peu près 60 millions d'XP, après je suis parti, parce qu'il n'y avait plus d'étoiles, donc c'était pas intéressant. Donc là, normalement, il termine, si je ne me trompe pas. Petit coup de hache et ça doit être terminé. Et alors, on a pris combien? 4 millions, voilà, donc c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Donc on va voir si on trouve un deuxième combat. Ça fait plaisir. Allez, on enchaîne un dernier. On enchaîne. Voilà. On va en faire un deuxième. Je pense qu'on a le temps. Hein. On n'est pas pressé, c'est les vacances. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais on n'est pas pressé. Alors. Tac, on va en continuer. Hein, parce que là, bon, il n'est pas super. Normalement, on devrait trouver. Il n'y a pas beaucoup de monde ici. Voilà, parfait. On va prendre celui-là. Yep. Donc on va prendre ce combat là qui est vraiment, c'est à peu près le même, espérant qu'on ait un bon challenge comme tout à l'heure. Voilà, on va lancer les persos. Dites-moi si ça vous ferait plaisir un tutoriel sur les teams, j'aimerais bien faire peut-être un guide sur les teams, ça pourrait être sympa, je pense que ça pourrait en aider certains qui essayent de se lancer dans les teams. Moi j'ai eu quelques petits soucis au début où je me suis lancé. Et ça pourrait faire plaisir à certaines personnes, des guides sur les teams. Donc là on a encore un bon challenge, hein, vraiment on a de la chance. Donc tuer le mob en premier, c'est vraiment super facile. En plus avec le Yob, bon bah à mon avis je pense que je vais le terminer. Oui voilà, normalement c'est bon. Bon, faut savoir qu'on joue avec les idoles, donc je pourrais vous montrer les idoles après. Je viens de me faire. Ah je vais aller là moi. Voilà. Ah le Yob il finit pas, dommage, dommage. Tristesse. Alors. On va. C'est Lenny qui. Ah merde, j'ai mis. Ah, j'ai pas vu. Bon, j'ai pas vu. Alors, bon, peut-être le Zobal il peut terminer. Alors, attendez, il est où le mob? Il est là. Voilà. Donc, ça, au moins, c'est fait. Le panda. Le panda, le panda, le panda. Ouais, le panda, il peut taper sans souci. Hein. Il peut même taper les trois, comme vous pouvez voir. Ça fait quand même de sacrés dégâts, du moins 500 x 2, ça fait plaisir. Sachant qu'il est pas forcément, il a pas forcément le stuff optimal. Il a 770 de chance, donc c'est vraiment cool. Et c'est pas pour autant génial. Ça va s'améliorer dans les niveaux futurs. Lui, j'espère avoir le temps de le mettre en panneau d'Anator. Et vraiment une bonne panneau chance. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va faire une petite zone, tranquille. Ouh, lui, par contre, il fait du moins 700, ça fait cool. Ça fait vraiment plaisir. Donc on va essayer de torcher le combat, maintenant qu'on a le... Voilà, donc en plus il nous a offert une petite zone, on va éviter de le tuer par contre, ça serait cool. Voilà. Ensuite, Lenny Ripsa qui enchaîne. 600 PV, je pense que Lenny Ripsa il peut le terminer. Hein. Au moins j'espère. Et non. On termine pas, c'est dommage. Alors... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire grand chose là. J'aime pas du tout être bloqué comme ça là, c'est vraiment pas agréable. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors le Yop. J'aime bien c'est qu'on nous donne 24 secondes pour jouer, mais bon les tours durent à peu près 2 secondes et demie, donc c'est vraiment assez rapide.
Alors donc là c'est à Golden, il va terminer je pense, bon déjà celui-là il n'y a pas de souci, petit coup de cac et c'est terminé. On va voir, voilà, petit coup de cac et après double vague à l'âme. Ou une seule. Voilà le yop qui va passer derrière. Hop. Voilà. Lenny Ripsa qui passe, qui tape. Il tape pas des masses quand il n'est pas boosté, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et le panda qui ne pourra pas terminer, je pense. Il ne pourra pas terminer. Donc c'est. C'est Golden qui termine. Voilà, donc petit combat vraiment sympathique. Donc là ça fait quoi? Ça fait 8 minutes qu'on fait. Donc on a fait 2 combats. Plus le temps de recherche. Plutôt rapide. Comme vous pouvez voir, on a repris 3 millions. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Petite vidéo sur la team. Donc pour signer mon retour avec la team. Donc j'espère que ça va en faire plaisir à certains. Un petit pouce vert dans les airs pour ceux à qui ça a plu. N'hésitez pas à poster un commentaire sur des choses que vous voulez voir dans la team, qui pourrait être améliorées. Je suis ouvert à toutes vos propositions. Sur ce, bye, c'était Dauphin.